Alors bonjour à tous et à toutes, ici le gamer loser Luigital60 pour la suite de ses aventures sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode précédent, on a commencé le grand labyrinthe et dans cet épisode on continue, on va aller dans la porte où on a été tout à l'heure, dans l'épisode précédent, c'est-à-dire celle-là. Et là j'ai recomposé l'équipe que j'avais calmez-vous. Aïe, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Putain, mais je suis vraiment une grosse merde. Ça commence bien. Sauve-moi, Serette! Tu sers à rien! Tu la touches pas! Parce que moi et ma sœur, on est complémentaires, comme le numéro. La touche pas, connard! Ok, ma soeur elle a disparu comme ça. Tiens, prends-toi un carton. Non, c'est de grenade. Grenade! Lancer de bombe! Je suis le maître en explosif. Je m'appelle Snake Michael Bay. Alors là, il y a une seule porte. Je trouve il est assez puissant, Snake. Voilà, merci, il les a tous détruits. Heureusement qu'il a ça. Oh, enflure! Je m'attendais pas à lui, je croyais qu'il y avait un truc en or ici, mais même pas. Non, mais suis-moi. Suis-moi! Ah, mais c'est quoi cet oiseau cheaté là? Ouais, bah, va mourir. Que je pensais aller tomber dans le trou. Non mais arrête de tomber, putain. Putain, mais il est tellement gros aussi celui-là. Vas-y, dégage, tu me saoules. Et voilà, je vais mourir. Super. Ah bah super, le drac au feu qui prend toute la place, quoi. En fait, c'est lui, il prend tellement de place, ce gros lard. Voilà, ta gueule. Putain, je les déteste quand ils prennent toute la place, les ennemis. Je commence à devenir violent en plus. Je sais même pas pourquoi ils font une musique de Kirby. En même temps, il n'y a pas beaucoup de musique violente dans Pikmin, c'est normal. Non mais blablabla. Non mais tu te calmes tout de suite. Purée, c'est pas possible. Non. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas grave. Maintenant on est deux à la place de un. Et je vais sûrement mourir. Ah, ils sont pas agiles à la glace, hein, tes Pikmin. Ils sont pas habitués.
Tu as tué ma sœur. Tu vas le payer. Tu vas le payer par le pouvoir du marteau de Thor des Ice Climbers. Tiens, tu veux jouer au jonglage? Essaye, c'est marrant. Oui. Non. Je voulais faire le feu, la moquerie de fin super stylée. Est-ce que je vais retrouver ma sœur? Je pense pas. Je crois pas. Et ouais, je suis tout seul. Non mais toi tu vas pas t'énerver. Voilà, merci. Merci d'être venu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'était magnifique. Ah. J'aurais pu revenir. Je suis invincible. Je suis l'invincible Snake. Poursuivez-moi les poupoules. Ouais, monte. Merci. Putain, j'y arriverai jamais, quoi. On va changer de perso. Parce que là... Non, je veux pas sauvegarder. Je veux changer de perso. J'ai bien envie de prendre un... Bon, on va prendre Falco, vu que tout à l'heure, on l'avait pas vu... Dans l'épisode précédent, on l'avait pas vu... On va prendre Yoshi parce qu'il est stylé. Il est où Donkey? Je sais pas, j'hésite. Ouais, et puis merde, on prend Donkey et Ike, voilà. Parce que Ike, c'est la puissance d'abord. Comme ça, deux agiles et deux puissances, c'est parfait. Alors, oui, de toute façon, on peut passer que par là. Allez, on avance. Merci. Oula, j'ai cru que j'allais mourir. Par le pouvoir de la bombe nucléaire. Je sais même plus si c'est la bonne porte, c'est à prendre vers le haut, je crois, c'est pour aller vers la fin. Si on va par là. En plus, on va sûrement rencontrer Donkey. Voilà. Ah, c'est triste, je suis trop rapide. Par contre, lui, il est tellement rapide. Aïe. Pouvoir de la fleur. Deviens jardinier. Deviens un pot de fleurs. Vas-y, viens. Je t'ai coupé en deux. Ah, c'est triste. Tiens. Après, je te voyais pas venir. Bon bah tant pis. Bon, il a pas eu le temps de dire sa punchline là. Voilà, là on voit tout ce qu'on a détruit. Il faut tous les détruire pour pouvoir rentrer.
voir le grand méchant. Là, je sens que je vais mourir. Je vais mûrir. Voilà, tais-toi. Aïe. Oui, aïe, aïe. Aïe, oui. Je ne mourrai pas par le pouvoir du bâton en fleurs. Ouais, c'est ça, moque-toi. Le Yoshi va arriver. Yoshi invincible. Ouais, mes fesses. Transformation de l'œuf en folie. Non. Course folle. Voilà. Ah, il y a une porte par là. Et... Transformation de l'œuf fou. Et... Allez, esquive. Salut mon coco. Non mais je veux pas sauvegarder. Oh là là. C'est quoi ce jeu qui veut que je sauvegarde? Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. On va plutôt aller là-haut parce que je sens que c'est une dead end. Oui, suis-moi. Follow me. On ne casse pas d'omelette, on ne casse pas deux sans... Non, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Qu'est-ce que c'est ce Pikachu géant? Je vais te manger. Non, je suis petit. Salaud. Tu n'as rien comparé à ma force brute. Gorille. Je te l'avais dit. En plus, voilà, j'ai bien fait d'aller par là. Suivez-moi. Je connais pas ce truc. Qu'est-ce que c'est? Quand même un gorille avec un flingue, tu vois ça que dans ce jeu-là, quoi. Citez-moi un jeu où vous voyez un gorille avec un flingue. Parce que moi, personnellement, je vois pas. Oh, purée, encore un truc avec les interrupteurs. Alors, par là, il y a une porte. Oula, purée. Non mais... Toi tu te calmes. Toi tu dégages. Voilà, merci. Attendez, c'est là-haut la porte. Mais on va aller... Voilà, merci. Toi tu dégages. Ça m'énerve ces trucs parce que Donkey Kong il est tellement géant qu'il touche rien du tout. Toi, tu meurs. Là, il y a un truc en or, si je me souviens. Laissez-moi prendre Tetra. Parce que j'adore les Tetra Head. On prend la porte. Et après, on va sur la dernière pour se taper Ridley. Ou Meta Ridley.
C'est quoi ce rap géant? Ce rap Schneider géant. Avec la musique d'un Game & Watch, quoi. Aïe, oui, oui, aïe, blablabla. J'ai pas un tas qui me balance la batte. Parce que là, je me prends un coup, purée. Oula. J'ai bien fait de... De penser qu'il allait le faire. Je pensais que ça allait le faire comme avec... Et... Avec le Pikachu, mais non, ça va pas marcher. C'est ça, moque-toi. Vas-y, dis-le. Voilà, merci. T'aurais dû te préparer, mec. À ta défaite. Merci de me faire descendre. Hélicoptère. Non, oui, bon, bah tant pis, je voulais le tuer, mais... J'aurais dû pas prendre Ike, parce que là, ça va être chiant si c'est... Si c'est un personnage méta Ridley, plutôt. Ouh la vache. J'en ai tellement tué. Aïe, hey, Tant pis, vous me saoulez. On va chercher la clé. C'est quand même le comble pour un poisson de ne pas savoir nager. Non, je m'en fous de la fleur de feu. J'ai, il y a la clé, voilà. Je crois que si vous tombez à l'eau, vous perdez la clé. Je suis plus sûr, j'aurais pu faire un test, mais non. Tac. Voilà, tape, merci. Ah, tu meurs, c'est tout. Tu mords. La mort ou la mort. Choisis. Ah, tu as choisi judicieusement. Ok, c'est Ridley. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Meta Ridley avec le vent. Voilà, je l'ai fait pour rien. En plus, il me fait courir. Voilà, merci. Non, je suis un piou-piou, comme toi. Soyons amis dans tes rêves. Mais c'est quoi ce Ridley là? Non! On ne fait pas d'omelette sans casser des Ridley. J'ai même pas eu de tous les prendre. Donc on est où? Ouais. On va changer de perso, on va en profiter. Alors, sélection des persos. Et on va prendre... J'ai peut-être une idée, mais il n'y a pas assez de filles. Hein. Du coup, il faudrait un truc pour compenser. Bon, un truc sans sexe, voilà. Voilà, merci. J'aurais pu prendre Rob à la place, peut-être. Tant pis, hein. Comme ça, ça me fait prendre des personnages que je joue pas souvent.
Non, descend. En plus, c'est stylé l'animation quand il rentre dans des portes. Aïe. On a eu le chevalier noir, je crois. Bon, on va voir où est-ce que ça mène. Vers un grand truc où il va falloir bien se démerder pour revenir. Je pense que c'est que dans un sens. Peut-être bien chiant pour entrer. On se promène à la montagne en cheval, en chariot plutôt. Je descends de la montagne en chariot. Et bientôt je vais la remonter, mais complètement à pied. Non, pas un géant d'Adidou. Oh putain. Comme par hasard, moi j'en lance à chaque fois, j'ai jamais de mini hérisson. Je suis une princesse. J'ai dit une princesse. J'ai dit une princesse. Voilà. Meurs par des cœurs. Aïe. Putain, il a une de ses allonges. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Prends la bombe, voilà. Meurs! Explosion dans tes fesses! J'essaie de me concentrer pour pas mourir parce que voilà, Dadidou, c'est un gros cheater. Du coup, ça va nous mener où? Je vais mourir si ça continue. Tiens. Bah oui, ils sont trop loin. Tiens, prends-toi le pouvoir du légume. Là, il faut que je fasse attention, ouais. Parce que eux, ils renvoient les objets dans la gueule. Non, Falco. Aïe, oui. Je suis une princesse. Je suis une sorcière princesse. I'm a biatch, bitch. Et... Oh là là là. Ça m'arrête de fuir. Heureusement, ils sont un peu stupides. Parce que là, moi, je serais mort depuis longtemps s'ils étaient intelligents. Ah, une clé. C'est la clé. Bon, 80, ça va. Enfin, 89. Une autre clé, ça sert à rien d'avoir deux fois le même trophée. Alors, où est-ce qu'on est? Ouais, c'est ça, profites-en. Heureusement que tu t'es bouffé ton ami. Mes amis, ce n'est pas à vous de vous baisser. Hmm,
Je demande où ça mène par là. Je me rappelle plus. Vas-y, fais ta petite brasse du quotidien, biche. Je suis morte. Non, rentre. Rentre. Rentre, merci. C'est Rayquaza, je parie. Ok, merci Fox. Oh la vache, ce coup de pied! Non mais tu viens par là toi? Voilà, tu te tais. Bon bah tant pis. Je vais t'envoyer un rayon dans la face, mais bon. Normalement, j'ai tué tous ceux qui peuvent envoyer les rayons dans la gueule. Merde. Je me suis trompé de bouton. Quelle idée d'avoir des gros... Des gros doigts. Yeah. Je suis mouru. Ah, tu meurs noyé. Mais je suis gentil, je t'ai tué avant. Avant la noyade. Non, regarde, tu m'as pas eu. Pas non plus. Oui. Voilà. Rayquaza dans la gueule. Je le sens parce qu'on l'a. Même pas. Mais t'as Ridley. Yeah. Pouvoir du missile dans ta face. Super, j'ai juste eu le temps de gaspiller le... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle le Maxi Curry, voilà. Mais Zelda, cours, marche pas. Heureusement, il n'y a pas de temps dans celui-là. Ok, merci. Merci Zelda. Je suis mort comme un con, quoi. J'aurais dû sauter, je suis trop bête. Oh là là, ce fail. Gros fail. Fail en approche. Tiens. Meurs par le souffle. Le. Non, je ne veux pas mourir. Putain, je croyais qu'il en lançait deux, moi, au début. Non, mais... Game & Watch. Mister 5 and 6, fais pas chier là. Non, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Bon bah d'accord, je suis mort. Ok. La la la, je suis une sorcière. Allez, piche, voilà. Oula, j'ai bien fait de pas réatterrir. Mais ah!
Putain, mais je vais jamais le tuer ou quoi? Il m'a fallu 8h30 pour finir Rimetta Ridley, merci. C'était la performance épique. Le combat le plus épique que vous ayez jamais vu. Sur toute chaîne confondue. Bah tiens, ça tombe bien. Parce qu'on va s'arrêter là. Je sauvegarde devant vos yeux et Bobby. Oui, là j'allais mettre sélection de personnages comme un gros débile. 89. Allez, plus que 11% et le jeu est fini. Même si ça m'étonnerait qu'on ait les 11% qui manquent. Vu que je me rappelle, on avait une étape où il y avait un drapeau vert. Donc c'était tout pour les aventures du Gamer Loser sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode suivant, et sûrement, je pense que ça va durer encore sur deux épisodes, bah on continue l'émissaire subspatial. Le grand labyrinthe. Donc sur ce, moi je vous dis bonne continuation sur YouTube. Ne faites pas d'avis comme dans les jeux. A plus.